Alors, je suis parti voyager en Iran pendant un mois pendant le Ramadan. Et pour bien comprendre l'histoire qui va suivre, il y a trois choses qu'il faut savoir sur ce pays. C'est que l'Iran, c'est une république islamique, tenue du main de fer par un régime religieux conservateur. Globalement, en Iran, bah, tout est interdit. Vous ne pouvez pas, par exemple, manger ou boire de l'eau la journée pendant le Ramadan. Et ça va même jusqu'au coup de fouet et à la pendaison pour les trafiquants de drogue, par exemple. Moi, mon objectif, quand j'arrive en Iran, eh bien, c'est de rencontrer des Iraniens pour mieux comprendre ce pays qui est souvent pointé du doigt. Pour cela, je n'ai rien préparé, si ce n'est que je suis entré en contact sur Internet avec Afroz, un fermier de Téhéran, qui me propose le logis à mon arrivée à Téhéran. Et Téhéran, c'est une très grande ville, c'est 4 fois la taille de Paris, 6 fois plus d'habitants. Donc autant dire que quand j'arrive dans cette ville, bah, je suis happé par une ville frénétique, grouillante de monde, avec un dédale de bazar tentaculaire, un bruit perpétuel de klaxons et les appels à la prière qui se hissent au-dessus de tout ça. Une merveille chaotique. En tout cas, moi, je rejoins Afroz, arrivé à Téhéran, le fermier. Et à ce moment-là, mais je comprends que mon voyage va prendre une tournure légèrement différente de ce que j'avais prévu. En fait, il se trouve que Afroz, le fermier, ne s'appelle pas Afroz, parce qu'en Iran, on ne peut pas communiquer avec des étrangers sur Internet et on ne peut pas les héberger. Donc, il ne s'appelle pas Afroz. Et puis, il finit par comprendre que Afroz, le fermier, ben, il n'est pas non plus fermier. En fait, il mène une activité un petit peu dérangeante, puisque Afroz, c'est, ben, comment expliquer, c'est en fait un petit peu le plus gros dealer de drogue des quartiers nord de Téhéran. Donc en fait, si vous voulez, Afroz, il produit le hashish dans des fermes isolées dans le désert, il les revend dans les quartiers riches. Et pour ça, il est super bien organisé. Il a des tableurs Excel où il montre tout souriant le suivi de l'approvisionnement du hashish, l'état des stocks, les dettes des clients. Bref, on sympathise et on se dit que ce serait sympa de partir à la plage. Pour ça, on est accompagné de Titine, la petite voiture blanche, une Renault croulante au bord de l'asphyxie à chaque démarrage et qui accessoirement n'a pas de ceinture. Et puis se joignent à notre petite sauterie trois amis d'Afroz, dealers aussi, donc quatre dealers dans la voiture et moi-même en route pour la plage. Et inutile de préciser qu'après 5 minutes de trajet, l'habitacle de la pauvre petite Titine, il est enfumé de hashish, ce qui n'empêche pas le conducteur de se rêver pilote de Formule 1 et d'aller à fond la caisse, le volant dans une main, le gros joint dans l'autre. Bref, le moment idéal pour envoyer un message à maman en lui disant que je pense fort à elle, le gros bisou à mamie. Lorsque soudain, qu'est-ce qu'on entend ? Le bruit de la sirène de la police, en fait, qui nous somme de nous arrêter immédiatement. Ça devient un peu dérangeant. Donc Afroz regarde le conducteur, qui donc se regarde, et leurs poches sont bourrées de hashish. Et le type derrière en uniforme, il n'a pas l'air très commode. Donc on a une solution, on se dit, quid de si on braque Titine vers la gauche et on part dans l'autre sens. C'est donc ainsi que je me suis retrouvé embarqué donc dans une course-poursuite endiablée entre des dealers de drogue et la police iranienne. Donc à ce moment-là, le pilote a le pied à fond sur le plancher pendant que nous ouvrons les fenêtres pour évacuer la fumée du hashish. Là, on prend les virages en dérapage. Mon voisin m'agrippe le genou, ses yeux sont tétanisés sur la route. Là, on hisse Titine sur le trottoir pour éviter des embouteillages qu'il y avait en face de nous. Là, les marchands de pastèques qui sont sur le trottoir nous hurlent sur la voiture. Là, mon voisin entame une prière, on se glisse dans une impasse, on baisse la tête et on attend. On attend que le flic y passe. Et bon, bref, en fait, notre plaque d'immatriculation, elle a été identifiée. Et la ville, elle a été quadrillée. Donc en fait, on n'a pas fait 10 mètres en repartant, qu'on se retrouve arrêté et embarqué au poste de police. Sauf que j'ai la chance parce que Afroz, il dit dans les quartiers riches de Téhéran, donc il connaît du monde, il appelle un ami bien placé à lui qui nous négocie un sursis. Bon, cela dit, mes papiers et ceux de mes copains, ils sont confisqués. Titine, elle est confisquée et on se retrouve bredouille, libérée, mais bon, voilà, on n'a plus grand chose. Donc nous nous rendons chez l'ami d'Afroz, qui habite pas très loin et qui va récupérer cette affaire. Donc on lui expose notre problème entouré de murs d'enceinte de 3 mètres de haut avec des fils barbelés et des caméras de surveillance. Parce que, en fait, l'ami d'Afroz, il gère une entreprise de BTP et il fait accessoirement partie d'une mafia locale très bien implantée. Alors, du coup, en attendant qu'il nous récupère nos affaires dans 3 jours, moi, il faut bien que je me loge. Alors, je suis logé chez un autre ami d'Afroz qui habite, en fait, dans un appartement qui sert de planque à des fumeurs d'opium. Donc, à ce moment-là, ce qui se passe... qu'est-ce qui se passe déjà? C'est que oui, alors du coup je suis donc dans cette planque de fumeurs d'opium. Globalement je suis entouré donc de types très sympathiques, donc des chefs d'entreprise, des architectes et même un ancien champion d'haltérophilie reconverti en animateur TV qui passe leur journée à fumer de l'opium. Donc l'opium ça se fume dans une pipe en bois avec une petite résine noire qui est chauffée sur un tas de braises. C'est hyper addictif, les effets ils durent 7 heures. Bon bref, après ces 3 jours de folie, je me dis il est temps de prendre l'air, Guillaume.
Donc, je quitte mes amis après avoir récupéré finalement mes papiers. Et donc, sur ma route, je finis par rencontrer, dans le sud de l'Iran, un général de l'armée iranienne qui m'invite à dormir chez lui. Donc, il s'appelle Jafar et il dirige la base militaire de Shiraz dans le sud du pays. Donc, en fait, c'est une star locale, hein, Jafar. Tout le monde, impossible de faire 20 mètres avec lui sans que les gens nous arrêtent pour prendre des selfies avec lui, lui serrer la main. Et avec Jafar, on va faire du karting sur la base militaire, on va boire du thé avec des amis à lui et puis jouer de la musique. Et surtout, Jafar, eh bien, il cuisine super bien. Et un soir où nous mangeons tranquillement chez lui à l'iranienne, c'est-à-dire assis en tailleur, je lui explique: Jafar, j'ai un gros problème depuis que je suis en Iran, c'est que je suis incapable de m'asseoir en tailleur sans souffrir, parce qu'en fait ma mamie m'a fait boire trop de soupe, j'ai grandi trop vite, enfin bref, la souplesse c'est pas ça. Et là il me dit: Guillaume, j'ai la solution pour toi, mets-toi à plat ventre, je vais te faire un massage et tu pourras à nouveau t'asseoir en tailleur. C'est ainsi que je me retrouve à plat ventre sur un tapis persan, la jambe tirée, broyée dans tous les sens par un général de l'armée iranienne. Ça va, qui me demande tout bien, que je lui réponds la larme à l'œil, tout en disant que décidément ce voyage est bien absurde. Donc, j'espère vous avoir montré que l'Iran, c'est un pays sacrément rock'n'roll. Alors moi, ce qui m'a surtout touché, c'est la générosité des Iraniens, parce que je ne vous ai pas raconté toutes les autres rencontres que j'ai faites. Mais en gros, en Iran, c'est impossible de passer une journée sans être invité à jouer aux cartes, même si c'est interdit, dormir, ou bien même à aller prier. Je me suis retrouvé d'ailleurs une fois à aller prier dans la plus vieille mosquée de Isfahan, c'était incroyable. Et donc tout ça pour vous dire que l'Iran, c'est le pays où j'ai appris à dire oui. Merci beaucoup, bonne soirée.